Sly. Nous allons aider Ryoichi à récupérer son restaurant de sushi. On dirait que la porte de devant est le seul accès. Il va d'abord falloir se débarrasser de ce garde pour faire entrer Ryoichi. Toutefois, la sécurité a été nettement renforcée depuis son évasion et on ne peut pas se permettre de déclencher l'alarme. Je crois que nous allons devoir employer un subterfuge. Comment ça ? Je parie que si tu enfiles l'armure que tu as volée, tu pourras relever le garde qui est posté à l'entrée. Ouais. Et puis, j'ai la classe en armure. Je rêve. Personne n'entre ou ne sort, compris ? Je ne veux plus de problème. Je suppose que tu connais ton propre établissement. Au fait, c'est très ingénieux de ta part d'utiliser tes couteaux à sushi comme clé. Bentley-san, je suis un maître ninja. Oui. Désolé. Enfin bref, d'après mon scanner, tes couteaux à sushi sont toujours ici. La mauvaise nouvelle, c'est que ce sont les gardes qui les ont. Tu vas aussi rencontrer des pièges ultra-modernes que tu n'as jamais vus auparavant. Bentley-san, la forêt de bambou a beau être dense, l'eau y circule sans aucun problème. Oui, mais attention à n'alerter aucun de ces gardes. Allez, trouve ces couteaux et récupère ton restaurant. Je n'ai pas pu pratiquer mon art quand j'étais enfermé dans cette cage. Je vais revoir la technique du dragon puissant. Je vais récupérer le couteau, puis je démontrerai à Elrevio que ce restaurant ne peut pas être fermé. On ne peut couper un sushi correctement qu'avec un couteau aussi aiguisé. On dirait que les verrous de mes couteaux n'ont pas suffi à repousser les ennuis. Thank you.
Sly et ses amis ont été d'excellents alliés. Je leur suis vraiment reconnaissant. C'est mon meilleur couteau. Les sachets vont être parfaits. Très bien, Ryuichi, il ne reste plus qu'un couteau. Je vais récupérer mes couteaux, puis je démontrerai à El Jefe que ce restaurant ne peut pas être fermé. Et envoie un message à El Jefe. Un jour, je rendrai sa grandeur d'antan à ce restaurant.